Je veux vous présenter mon père parce que malheureusement, plusieurs l'ont pas connu. Mon père était travailleur social. Il intervenait lorsqu'il y avait des plaintes de maltraitance dans les familles d'accueil. Il se rendait sur place puis il constatait par lui-même. Aussitôt qu'il se rendait compte qu'effectivement il y avait de la maltraitance, malheureusement, il devait fermer la ressource. Heureusement qu'au cours de sa carrière, bien, il a connu aussi des excellentes familles d'accueil. Pour faire une histoire courte, bien, il s'est rendu compte qu'il y avait un manque flagrant de ressources au privé pour combler les besoins grandissants des personnes âgées. C'est là qu'il y a eu un grand rêve, celui d'améliorer les conditions de vie de toutes les personnes âgées de la région pour créer des milieux de vie où il fait bon vivre. Simplement bon vivre. C'est pour cette raison qu'il a construit sa première résidence en 1990, puis on a accueilli 42 résidents. Je me rappelle encore de certains résidents. Je devais avoir 17-18 ans. Monsieur Aubry, 92 ans, il partait de la résidence au centre-ville. Il s'en venait avec son bicycle à trois roues, puis le petit panier derrière. Là. Puis il s'en venait jusqu'à Drummondville-Sud, chez nous, pour nous dire bonjour, puis il revenait. Il faisait ça tous les jours. On a eu notre Monsieur Noël, qu'on appelait notre petit Papa Noël. Lui, il était né en 1900, puis il suivait les années. Fait qu'il est arrivé à 90 ans, puis il est peut-être décédé... On a eu des centenaires, Madame Lambert et Monsieur Aubin. Tout ça pour dire que, à 17-18 ans, je me suis retrouvée avec 42 nouveaux grands-parents. Que du bonheur! Je me rappelle aussi de la première équipe de travail. C'est sûr qu'à l'embauche, le critère le plus important, c'était d'aimer les personnes âgées. On avait une super belle équipe. Puis c'est là qu'on a créé notre première famille des résidences Pelletier. Mon père, c'est un homme de cœur, un homme juste et bon. Je me rappelle encore de sa douceur et de sa grande écoute. Il était accessible. Il avait cette volonté d'aider les gens. Il en a aidé vraiment beaucoup, autant la famille, des amis, des collègues, des créateurs de bien-être. Il en a aidé. Il avait un bon jugement, puis il inspirait confiance. Donc, c'était facile de se confier à lui. Il avait une grande force en lui. Lorsqu'il prenait une décision, il fonçait puis il s'en allait vers son but puis pour réaliser ses rêves. Heureusement qu'il s'épanouissait au travail parce qu'il travaillait tout le temps. Donc, si je voulais voir mon père, bien, j'avais une chose à faire, c'est de m'en aller le voir au travail. Il nous faisait rire aussi. On a beaucoup ri avec lui. Puis chaque moment passé en sa compagnie, c'était vraiment un moment de pur bonheur. Puis... Chaque moment passé avec mon père, c'est un moment de pur bonheur. Puis j'aurais aimé vraiment que tout le monde puisse le connaître. C'est pour cette raison que cette journée, c'est une journée importante pour nous. Donc, merci d'être là. Merci à vous, cher créateur. Merci de perpétuer ses valeurs et ses rêves. On vous aime.